Depuis que je suis petite, je suis passionnée par la cuisine. C'est un univers sensoriel que j'aime, de générosité, de bienveillance. C'est un métier dans lequel on aime faire plaisir aux autres. C'était l'univers dans lequel je me sentais bien. Je suis Charlotte Forest, responsable culinaire pour le marché de l'enseignement chez Elior. J'ai en charge la création de recettes, la R&D et l'animation de nos chefs experts. Je travaille avec un groupe de chefs qui sont sur nos restaurants scolaires et qui vont m'aider à créer des nouvelles recettes qui sont soit liées aux nouvelles tendances alimentaires comme la cuisine végétarienne ou alors dans le retravail de nos recettes comme la pâtisserie ou les sauces. Allez, c'est parti. Et puis, à tout à l'heure. Elior est un acteur majeur de la restauration collective au niveau mondial. Premier opérateur de service sur le territoire national français, Elior accompagne aujourd'hui plus d'1 400 000 convives tous les jours, de la petite enfance à la personne âgée. Notre métier, cuisiner, servir, accompagner sur l'ensemble de cycle de vie le convive dans sa restauration. Que vous soyez un bébé, un enfant en école primaire, secondaire, un étudiant, un adulte au travail, un patient à l'hôpital, une personne âgée à l'hôpital, ou en maison de retraite, notre métier est de servir et produire ses repas. Salut Damien. Salut Antonia, je te remercie. Il est difficile aujourd'hui pour les jeunes d'avoir des choix nutritionnels sains. Le Nutri-Score est un outil pédagogique qui permet de classer les repas par valeur nutritive allant de la note A à E. Globalement, 5 lettres, 5 couleurs, qui permet d'informer, juger, comprendre sur la qualité nutritionnelle d'une recette. En fait, le Nutri-Score, pour nous, c'est vraiment un indicateur. Quand on construit des recettes, on va rentrer les différents ingrédients et on va avoir un indicateur du score de la recette. Donc ça nous permet de voir, effectivement, si la recette est plus ou moins intéressante nutritionnellement. Et après, il faut faire attention, ça reste un indicateur. Ça ne veut pas forcément dire qu'une recette qui a un mauvais score n'est pas bonne à consommer. Je prends l'exemple du fromage, qui est un produit qui, par nature, va avoir un score qui n'est pas bon, mais qui est intéressant pour les enfants, qui est riche en calcium et qu'il ne faut pas supprimer de l'alimentation. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises notes. Nous cherchons à obtenir un équilibre global de nos menus. Quand nous apportons le Nutri-Score dans un établissement, nous faisons une information auprès de la lecture et la compréhension de nos menus. C'est quand on arrive au self et qu'on remarque les Nutri-Score, ça va forcément m'orienter dans la prise de décision de ce que je vais manger. Et ça m'aide un peu à choisir ma nutrition et à savoir que je suis pas trop mal. Le fait que le Nutri-Score soit affiché aujourd'hui dans les établissements scolaires, ça nous permet de leur transmettre une information en plus. Je ne dis pas que tous les enfants sont intéressés, mais aujourd'hui, ils ont accès à cet indicateur. Ça leur permet de comprendre et de composer leur menu s'ils en ont envie. C'est très facile à comprendre avec les lettres et les codes couleurs. Bon appétit, bonne journée. Ce qui est bien, c'est que le Nutri-Score, ça permet du coup de nous donner un panel sur tous les aliments, de ce qu'on a besoin. Aujourd'hui, sur nos établissements scolaires, ce que l'on veut, c'est vraiment leur proposer un maximum de choix. Par exemple, au menu, ils avaient le choix entre deux entrées aujourd'hui, de crudités, avec un assaisonnement maison, un poisson, cuit basse température, une volaille aussi, cuit basse température, et un plat végétarien, un riz à la mexicaine. Donc, c'est un riz qui est complémenté avec une légumineuse et des petits légumes frais, mitonnés. Notre démarche, nous, au-delà du Nutri-Score, c'est vraiment de proposer une variété de produits aux jeunes et aux enfants aujourd'hui pour qu'ils aient le choix. Et c'est aussi de leur proposer une cuisine qui va être faite à base de produits frais. Avec le Nutri-Score, nous souhaitons rendre les jeunes acteurs de leur santé. Notre rôle en tant que restaurateur social au niveau des écoles, c'est par conséquent d'apporter l'outil pédagogique, la compréhension d'une recette, la valorisation de ce dernière, dans son équilibre global nutritionnel. Le vendredi, je vais me faire un peu plus plaisir vu que c'est la fin de semaine, que je me dis qu'après c'est le week-end. Pour le dessert, je vais pas forcément choisir un yaourt, je vais plutôt me tourner vers une tarte aux pommes ou quoi que ce soit. Et par exemple, en début de semaine, je vais plutôt favoriser des aliments qui sont Nutri-Score A, qui permettent d'avoir beaucoup d'énergie pour le reste de la semaine par exemple. Ce qu'on recherche avec les écoliers, les collégiens ou les lycéens, c'est que ces derniers, lorsqu'ils arrivent dans nos restaurants, soient en capacité de faire des choix, qu'ils soient acteurs de la composante de leur plateau repas dans un objectif de moyenne nutritionnelle répondant à des enjeux de santé publique et d'obésité.